Ben, je suis le maréchal, le prophète Joël Crasseux. Je suis aujourd'hui à cette date du 8 juin 2015, justement en train de régler un problème d'une famille détruite par la sorcellerie et tout ça. Donc la mère fera des aveux. Nous sommes dans mon bureau là parce que nous ne faisons que ça. Aider des personnes que les sorciers détruisent. Voilà, donc je vais l'amener à faire des aveux parce que il aura un suivi. Nous faisons des éléments vidéo parce qu'après ça, il y a le suivi qui se fera par la grâce de Dieu afin de pouvoir aider ces personnes. Après la délivrance et tout ça, parce que voilà, donc madame, je vous demandais, le nom c'est quoi, vous vous appelez quoi? Parce que tout à vous avez rendu, vous avez parlé la dernière fois là, et après ça, vous êtes très mal comporté. En train de dire si je veux, tant. C'est hier, vous m'avez demandé pardon. Moi, je ne vous ai plus appelé. Je ne voulais même plus entendre parler de tout ça. C'est hier, tu m'as appelé, tu voulais me demander pardon. Or, si on revient, si tu me demandes pardon, il faudrait qu'on revienne sur le sujet. Parce que c'est ce que tu as évité. Il faut qu'on revienne sur le sujet. Donc, je vais te demander. Tu dis, ah, tu t'es mal comporté. Comment dans une église, tu as dit que tu as fait telle chose à tes enfants. Je suis en train de prier pour tes enfants. Il faut t'asseoir là, parce qu'il faut que toi-même tu sois délivré. Tu te lèves et tu te comportes très mal comme quelqu'un qui est sauvage. Tu as dit, je ne t'ai pas poursuivi. Je te donne seulement ma parole. Je dis, si c'est moi qui suis dans l'erreur, ok. Mais si c'est toi qui es dans l'erreur, la malédiction va t'atteindre. Ça, je te dis ça. Parce qu'on était en train de te délivrer. Pourquoi, monsieur, tu as gâté la vie de tes enfants? Et moi, j'ai décidé d'aider tes enfants. Et du coup, on entend de prier. Et toi, tu rentres dans le processus de délivrance. Voilà. Donc moi, c'était déjà clos pour toi là, c'était déjà fini. Maintenant, tu reviens pour demander pardon. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on va revenir là-dessus. Vas-y, la dernière fois, on n'est pas rentré dans les détails. Donc, on va rentrer dans les détails. Voilà. On vous a forcé pour parler ou bien vous reconnaissez que vous êtes sorcier? Je reconnais que je suis sorcier. Mais pourquoi vous êtes très mal comporté la dernière fois? C'est pourquoi je suis venu demander des excuses. Non, mais je vous demande pourquoi ce comportement? On ne vous a pas frappé. On a ni crié sur vous. Je n'avais pas demandé aux enfants de parler mal. Personne. Au contraire, on vous a mis dans un endroit pour vous délivrer. Et puis du coup, vous comportez comme une personne qui est sauvage. Or, j'étais en train de prier pour vos enfants. J'avais déjà fini. D'autres me voulaient même les détails. C'est là, elle-même a demandé, qu'est-ce que tu as fait? Faut dire. Je leur ai dit, non, on ne rentre plus dans les détails. Parce que ça va nous perdre le temps. On a fini pour... Il faut que toi aussi, tu sois délivré. Donc, on t'a mis là, il faut attendre pour qu'on te délivre. Justement, c'est le bon. Et tu t'es mal comporté comme une femme, une personne sauvage. C'est qu'est-ce qui t'a amené là? C'est ça, les démons. Ce sont les démons. Donc, toi, tu écoutes plus de bons que nous, quoi. Ça te fatigue. Bon, non, on va enlever ça. Comme ça te fatigue, là, on va enlever. C'est comme drogue, non? Donc, ce que tu as fait, là, il faut parler. Tu reconnais ta sorcellerie? Oui. On ne t'a pas forcé, hein? Tu reconnais ta sorcellerie, tes enfants. Mm. Voilà. Ils t'ont envoyé ici pour te délivrer. Mm. Donc tu reconnais? Oui. Qui t'a donné? C'est ça, et puis je suis née avec. Ok. Mm. Donc quand tu es née à la sorcellerie, tu as fait quoi? Quand je suis née avec la sorcellerie, en rêve, je vois les choses. Madame, vous avez fait quoi? Je ne vous ai pas demandé où dormir, qu'est-ce que vous voyez en rêve? C'est différent mes questions. Je ne vous ai pas dit où vous voyez quoi en rêve. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai parlé de rêve. Qu'est-ce que vous avez fait? La société, c'est une manière consciente, vous faites ça. Oui, allez-y. Tu as des belles filles comme ça, des jolis enfants. Ce que j'ai fait, il y a mes enfants qui sont décédés, que c'est moi-même, je les ai tués. Tu dis quoi? Mes enfants qui sont décédés. Je dis que c'est moi qui les ai tués. J'ai dit que oui, c'est moi qui les ai tués. Il faut parler français. Il faut bien parler français. J'ai dit que. Oui, c'est moi qui les ai tués. C'est toi qui les as tués, tu dis que. C'est moi, je les ai tués. Tu as combien d'enfants tu as tués? 4 enfants. Donne-moi le nom des 4. Nicole. Nicole, comment tu l'as tué? Elle, je n'étais pas là. Comment tu l'as tué? On l'a opéré et puis elle est restée dedans. Comment vous l'avez tué?
On l'a opéré là. C'est ce qui se fait. Mais comment dois-tu aller la tuer dans l'opération? Vous avez dit que vous avez tué 4 personnes. On ne vous a pas forcé. Ce qu'elle avait dit, vous avez tué 4 personnes. Vous avez dit Nicole. Maintenant, expliquez comment vous avez tué Nicole. C'est tellement simple. Non, laisse-la, vous ne pouvez pas l'opérer. On l'a opéré et puis on l'a envoyé au village. Elle Madame, décidée. pardon. Mm. Pendant qu'on l'opérait, vous avez fait quoi? Ah, vous n'avez pas eu de parler. Si. Ah non, je ne vais pas vous écouter. Qu'est-ce que vous avez fait? On l'a opéré là, je n'étais pas là. Oh. C'est tout ce que vous avez dit, vous avez tué 4 de vos enfants. Quand Dieu en a tué, là, il y a la manière. Comment tu as tué? C'est ce qu'on lui a dit. Nicole, comment tu l'as tué? Comme je n'étais pas là. Aïe, mais vous avez dit que vous l'avez tué, non? C'est pas fait de comme vous n'étiez pas là. Comment vous l'avez tué? Elle a eu mot de ventre. Qui a donné mot de ventre? C'est moi. Ah, mais c'est ce qu'il veut entendre ou bien? Pourquoi tu me fatigues? Pourquoi tu me fatigues? Mais c'est ça, dit comment, tu dis que tu as tué 4 enfants. Je dis comment tu les as tués. Tu dis Nicole. Maintenant, comment toi tu as tué Nicole? C'est ce qu'il veut savoir. Tu l'as rendu malade. Oui, tu l'as rendu malade. Oui. Et puis on l'a opéré. On l'a opéré, puis tu allais l'achever. Tu l'as transformé en quoi? Tu l'as transformé en quoi? On t'a forcé pour parler? Non. Tu l'as transformé en quoi? Tu l'as transformé en... Tu as besoin de réfléchir. Ce que Dieu t'a fait. Tu l'as transformé en quoi? En poc, non? En poc. J'étais en train de te dire. Mais pourquoi même tu me fatigues? Non, hein? Tu as parlé. C'est pas moi d'aller faire ta société. C'est pas moi d'aller manger ta fille. Hein? Moi, je suis venu ce matin là. J'étais pas obligé de te prendre. Et ton dossier était bouclé. Toi, les enfants vont être libérés, mais toi, ton dessin est de bouclé. Comme tu dis, tu as envie de parler, je t'écoute. Il l'a transformé en porc. Ouais. Et puis, il l'a achevé. Il l'a mangé. Ton mari est parti. Il a mangé la tête. Et puis, le frère. Ok. Ok, la deuxième personne, qui t'a tué, tes enfants. Oscar. Je l'ai tué. Et il est même parti là. Il l'a mangé. Mais en quoi tu l'as transformé pour qu'il est parti? Il l'a transformé en cabri. Et je l'ai mangé. La troisième personne. Blanchard. Ton fils. Il est transformé en porc encore. Et... C'est un porc au four, c'est un des porcs. Allons-y. Et j'ai mangé même partie là. La tête et le cœur. La quatrième personne. Toi qui as dit que tu as tué 4 des enfants. Tu vois ce qu'il a dit? Oscar. Tu as dit à 10 ans. Tu as dit Oscar. Combien de tes enfants tu connais pas? Oscar, Blanchard. Quatrième là, il a fait morné. Il a fait morné. T'as mangé ça? Là, tu avais faim quoi, t'as mangé bébé. T'as transformé en quoi pour manger? Transformé en poulet. Pour manger. Il n'y a pas poulet au marché pour aller payer. Toi tu tues tes enfants, tu les manges. Maintenant à part, tu as gâté qui et qui? J'ai gâté petite fils. Elle s'appelle Efali. Voilà. Elle est morte. Tu l'as tué ou tu l'as gâté? Oui, je l'ai tué. Moi, ça fait 5 personnes. Tu l'as tué comment? Je l'ai tué.
Comment tu fais pour tuer? Maladie, ouais, tu fais comment? Maladie. Donc tu prends maladie, tu mets dans le corps des gens. Mm-hmm. Tu les tues, tu les manges. Mm-hmm. Ok. Ça fait quoi encore? Quels sont les gens que tu as gâtés? C'est fini comment ça? C'est ce qu'on veut que tu as tué. Maintenant, il y a des gens qui sont vivants que tu as gâtés. Tu as donné sorcellerie à qui? À la petite fille là. La petite fille là? Comment tu as aimé? C'est ta fille? Non. Ah, c'est toi, ta fille. Comment tu as donné la sorcellerie? Tu as quelque chose qui n'est pas bon, tu donnes ça à un enfant. Quelque chose qui n'est pas bon, tu donnes ça à un petit. Un petit enfant. Quelque chose qui n'est pas bon. Il a un bébé. Elle a quel âge? 8 ans. 8 ans. Tout de suite, tu ne grandis pas. Hein? Ah, comment ça, mon cher humain? Comment elle t'a donné sorcellerie? La poupée, elle m'a donné. Elle a quoi? La poupée, elle m'a donné. Mmh. Elle a quoi, Cyril? Elle vient de. C'est comme ça? Oui. Toi, tu es une grande mère. Mmh. Et puis un bébé comme ça? Tu es une grande mère et puis un bébé comme ça, tu prépares, au lieu de protéger ta petite fille, tu prépares, quoi la veille, et puis tu mets viande là-dessus. C'était quelle viande toi? Viande de porc. Porc là, c'était quoi? Hein? Porc là, c'était quoi? Porc. Oui, quelle a mangé là, c'était quoi? La chair humaine, ouais, c'est vrai, vrai porc là. Non, c'est... La chair humaine. Mm-hmm. Vous avez donné votre enfant, votre petite fille. Mm-hmm. C'était pourquoi? Pour l'initier. Mm-hmm. Quelque chose qui n'est pas bon. Mm-hmm. Ok. Maintenant, vous avez gâté la vie de qui? Vous avez gâté qui? J'ai gâté mon fils là. Mon fils là? Mm-hmm. Comment il s'appelle? Marcel, qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de Marcel? Jouer au ballon. Où on devait le prendre. C'est toi qui es allé à toi au Togo là. Tu vas aller au Togo là. Non. J'ai gâté tout ce qu'il doit faire là. Ça veut dire quoi? Au football, il y a la haine dedans. On peut dire, si je joue au ballon, là, il va avoir un milliard. Il va nous donner aussi dans la manger. Mmh. Toi, tu vas. Comment tu as fait? Tu n'étais pas forcé, hein? Mmh. C'est toi qui dis que tu as gâté. Mmh. Je t'explique comment tu as gâté. Quand il joue là, il ne reçoit pas son argent. Non, écoutez, pardon. Mmh. Ça, c'est pas ce que je veux entendre. Mmh. Qu'est-ce que tu as gâté? Son football, là, tu as fait comment pour gâter ça? C'est ce qui lui vit. Il joue en dehors de l'argent. Tu as gâté quelque chose. Qui est sa carrière professionnelle, football. Comment tu as gâté ça? Quand ils s'en vont jouer là, ils s'avancent. Mais pour lui, Vraiment. Comment ça fait? Puis ça avance. Tu as fait quoi? Puis ça va derrière. En train de forcer ou rien? Non. Oui, tu ne veux pas qu'il soit libéré? Si. Donc, il faut parler. Ça passe dans ma bouche, hein. Je t'attends de parler. Voyez, moi, je sais ce que tu as fait. Donc, il faut parler. Tu as fait quoi? J'ai gâté son ballon. Mais comment tu as fait? On n'appelle pas. C'est moi, j'ai bloqué. Tu as bloqué comment, maman, quand elle est née? Il n'y a pas elle. Quelle grâce, mais quand tu fais ça ici? Il marchait, la patrouille, la marche, là, tu es venu prendre le sable, tu as parlé sur lui pour dire qu'il ne va jamais être reçu dans le football. C'est pas ce que tu as fait. C'est ça. Mais pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne dis pas ça? Hein? Pourquoi? Il ne va jamais réussir sur ça qu'on ne l'appelle pas. Il va jouer au football. Et ça ne marche pas parce que tu as posé un acte. C'est l'acte que tu as posé. C'est ce que tu as fait là qui fait que
On ne l'appelle pas quand on le fait, on ne lui donne pas son argent. C'est ce que tu as fait là que je voulais savoir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je t'écoute. J'ai fait du mal. Quoi? Quel mal? Quand il a marché, j'ai ramassé. Le sable ou la marché? Et puis tu as fait quoi? Et puis j'ai attaché. Pour ne pas qu'il s'avance. Avance dans quoi? Dans le football. Ok. C'est ça. Tu seras délivré. Il sera délivré. Il va aller en Europe, lui, là, il va faire une carrière. Une bonne carrière. C'est tout? Lui seul, ça va. Allons-y, les autres. Tu as fait quoi, si c'est là? C'est là. Elle faisait ma vie. C'est quoi? Elle me compte pas. Il y a le téléphone. C'est le secrétaire là, c'est le secrétaire. Merci. Oui, allons-y, Maki, oui. Elle faisait Maki ici, c'est ça qui parle. Oui. J'ai brûlé son Maki. Comment? Pour que elle reste là comme ça. Explique-moi comment tu as brûlé le Maki. Comment tu as brûlé le Maki? Rappelez dans 2 minutes. Bonjour. Oui, rappelez dans 2 minutes. J'ai brûlé son maquis. Pour ne pas qu'elle prépare encore. Comment tu as brûlé? J'ai mis du feu. Tiens, il faut attraper les portants. Nous sommes en train de faire un boulot. Tous les portants du ministère. Donc, reste à côté là. Quand le téléphone sonne, tu vois, mais ça sonne, tu ne peux pas décrocher. Viens, vas-y. J'ai mis du feu. Comment tu as fait pour m'aller mettre du feu? Tu as donné pyromane maintenant. Pyromane. Tu as fait comment? C'est les détails là qui m'intéressent. Tu as fait comment? J'ai mis du feu dans son maquis et j'ai brûlé. Comment tu as fait pour aller mettre du feu? Transformé en. On a dit de forcer ou bien? Non. Mais pourquoi tu penses dans un air à. Se forcer ou bien? Un vent. Le vent. Mm. Et puis tu as voyé le feu là-bas. Mm. Mm. Tu as voyé le feu. Elle t'a fait quoi? Rien. Et puis tu gâtes son maquis. Le maquis s'est incendié. En quelle année? En quelle année? 3 ans. 3 ans. Tout a brûlé. Tout. Une partie qui est brûlée, une partie aussi qui est restée, la moitié. Tout à fait quoi encore? C'est non, tu n'as pas refini. Tu n'as pas fini. Et quand j'ai brûlé, ça ne marche plus. Et c'était l'objectif. C'était pour ne pas que ça marche. C'était de détruire son commerce. Non, tu n'as pas commencé, tu as gâté quoi? J'ai gâté son argent. Oui, c'est l'argent. Mm-hmm. Après l'argent, là, tu as gâté quoi encore? Tu as gâté quoi? Tu réfléchis. Mm-hmm. Tu réfléchis. C'est tout. Allez, tu ne l'as pas attaché? On l'a attaché. Tu ne l'as pas attaché pour manger? Je l'ai attaché. Vous l'avez tué? Quand? Tu réfléchis. En 2015. Mais quel mois de 2015? On dit en 2015, nous sommes en juin. En août. C'était en août. C'est le mois prochain. Elle allait mourir. Comment? Des maladies. Comme d'habitude. Tu allais la manger. Et c'est là. Elle aussi. Comment elle s'appelle? Claudine. Oui.
J'ai gâté son foyer. Comment tu as fait? Elle vendait des choses. Tu dis foyer. On parle de commerce là. Tu as parlé de gâter son foyer. Donc explique comment le foyer a été gâté. Comment tu as gâté le foyer? Comment tu as gâté son foyer? J'ai fait. Les servantes là ne restent pas. Quand elles prennent les servantes là. Ah, les servantes restent. Les semences restent. Effectivement. Les semences fuient. Comment tu fais? C'était pourquoi? Je vous écoute. Hein. Elles sont là pour travailler dans la maison. Et... Là, tu les chasses. Tu fais comment pour les chasser? Quand elles sont là, elles ne s'entendent pas. Comment tu fais pour les chasser? Tu dis que tu les chasses. Ça ne s'entend pas, ça veut dire quoi ça? C'est toi qui as parlé de tes servantes, c'est toi qui as les servantes. Comment tu fais? Je les chasse et puis elles s'en vont. Comment tu chasses? Là, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Comment tu arrives à faire? Madame, c'est vous qui avez parlé tout à l'heure. Des servants, faites des servants. C'est pas ça de ma bouche. C'est vous qui avez parlé des servants que vous chassez. Vous les chassez comment? Mais justement, comment tu arrives à les chasser? Parce que c'est pas physique. Vous dites non, sortez de la maison de ma fille. Or, tu sais spirituel. Comment tu fais? Je rentre dans le corps. Ah, ok. Tu rentres dans le corps des servantes. Donc, tu as la capacité de rentrer dans un corps. Tu as ce pouvoir-là. Quand quelqu'un est là, tu peux rentrer dans son corps. Comment tu fais pour rentrer dans le corps de quelqu'un? Le vent. J'aime le vent, hein. Et puis tu... Il rentre dans le corps. Le corps des gens. Il rentre dans ce que puis il y a pas là. Puis ils sont bons. Tu as fait quoi encore? Tu as tout comment? Je viens pas embouter la nourriture. Non, attends, non, attends. Non, tu n'as pas besoin de commander. C'est tout. Je t'écoute. Encore chaud vite, hein. Encore chaud vite. Oui. Je t'écoute, madame. Son commerce n'a pas gâté. Ses activités n'ont pas gâté. Tout ce qu'elle fait n'a pas gâté. Si. Mais pourquoi tu parles de ça? Hein? Mais foyer, c'est. J'aime pas tant que foyer. Maman, foyer, te... c'est. Pardonner, non, il faut laisser. Mais on te dit de te calmer. Vraiment, ça fait combien de temps que tu veux te calmer? Tu fais quoi? Hein? Comment tu as fait? Quand les gens viennent payer, j'ai détruit l'argent. Comment? Non, la photo de l'enfant. Elle m'a montré les photos là.
Tu as gâté deux là. Lui là, les deux là. Lui, celle là, tu lui as donné son sucrerie. Celle là, tu lui as donné son sucrerie. Vrai ou faux? C'est vrai. Alors, moi tu parles pas de ça. Et puis tu dis c'est celle-là que tu as donné son sucrerie. Quand elle prépare la chose, elle prépare là, tu ne vas pas chiller dedans dans son sucrerie. Hein? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Tu chies, donc tu n'en aurais pas. Non, moi, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de parler. Moi, je suis un voyant, je vois. Or, si je parle, ce n'est plus aveu. Or, moi, je veux que tu fasses les aveux pour être délivré. Ce n'est pas une question de révélation. C'est toi-même qui vas être délivré de la société. Tu as posé la question, tu vas être délivré de la société. Or, si tu veux être délivré de la société, il faut que tu avoues ce que tu as fait. Ce n'est pas moi qui dois donner une révélation. Comment tu ne peux pas aller chier dans son repas pour inviter? C'est pourquoi? Les enfants sont très fréquents, c'est ça? Ça n'a pas favori à l'école. Oui. Mais vous avez dit tout. Pour que la semaine prochaine, les gens, voilà, ont compris pour la semaine, le week-end, le prochain. Et ça là? Et celle-là? J'ai voulu la tuer. J'ai voulu la tuer. Comment? Explique comment. Explique. On a opéré. Ah, là, tu as ta spécialité. Hein? Quand on opère les gens, tu donnes maladie pour qu'on opère les gens, tu les tues là. C'est ça? C'est terrible, hein? C'est pour aux enfants. Comment tu as fait? Elle, c'est ma fille. Ah, mais oui, c'est sa petite fille. Comment tu as fait? Il a mis une boule dans son ventre. Il a mis une boule? Comment tu as fait? Comment tu as fait pour aller mettre boule dans le ventre de ta fille? Tu as transformé en vent et puis tu as fait quoi? La boule. Peut-être pour la tuer. Donc ils t'ont opéré, c'est ça? J'ai eu, c'est ça? Et puis, tu as voulu la tuer. Donc elle a attaché. Tu as fait quoi encore? Le sida. Le docteur donne le sida. Donc les sorciers donnent le sida. Comment vous faites? Comment tu allais donner le sida à ton fils? Tu as fait comment? Même chose là. Je me suis transformé en vent. Tu as pris ça où? Puis tu es venu le donner. Là, tu te dis, j'ai donné ce que tu as pris à quelque part. Tu es venu mettre ça dans son corps. Tu as fait comment? Et ta vente a quitté où? Tu as pris ça où? Pour bien expliquer, comment tu as donné le sida à ton fils? Pour expliquer. J'ai mis ça dans son ventre. Madame, le sida était où? Vous êtes allé prendre pour vous donner. Parlez, hein? Parlez. C'était où vous avez donné le sida? C'était où? Non, le sida était où? C'est une maladie. Tu as pris ça où tu t'es donné? C'est ça, je me suis transformé en vent. Et puis? J'ai mis dans son ventre. Le sida. Et tu as fait quoi encore?
ma fille qui a grandi, elle a accouché là. Hein? Le 9e là. Le 9e là. Elle a une maladie sur elle. C'est moi, j'ai mis sur elle. Tu as faim, tu manges. C'est ça. Comme si le poulet n'existe pas au marché, le cabri n'existe pas, tu les manges. Tu as envie de manger. Tu as fait quoi encore? La 9e, on a fait quoi? J'ai mis une maladie sur son corps. Comment? Elle avait des temps, moi, et moi, j'ai mis sur son corps. Comment tu as fait? C'est la même chose que j'ai fait là. Et ça, j'ai fait. Ça, là, tu ne pas dire ça tranquillement hier. Mais tu fais tête dure, on dirait, tu es forte. Ici, la tête. Ici, là. Non, on ne joue pas, hein. On ne joue pas à vous. Tu as fait tous ces dégâts dans les fous, tout ça. C'est toi qui jouais les têtes dures ici, hier. Comme une promesse qui doit protéger ses enfants. Et toi, la maman qui vient de maladie, si dans les maladies incurables, tu empêches ton fils d'aller jouer au football. Tu empêches tes enfants, tu vas même chier, tu vas dans le corps des servants, tu fais des dégâts autour de toi. Pourquoi? Ça vous épargne. Pourquoi tous ces dégâts? C'est l'esprit. Quel esprit? Ils sont sur moi. Les esprits sont sur toi. Ils sont où? Et ils viennent là, comme le vent. Il connaît 4, c'est ça? Il doit rester aux 4. Est-ce que vous êtes 8 vivants, c'est ça? Oui. Elle a dit le nom de Dieu. Elle a dit de manger 4. Mm. Parce qu'on avait 12 enfants. Oui. Et un mollet dedans, c'est ça? À part la 9e, ça fait capter qui encore? Devant-le, tous tes enfants. Il y a un second là-bas, il s'appelle René. Il est chauffeur. Il a fait un accident. Comment t'as envie? Même chose là.